Il est 7h, bonjour. J'ai la migraine. Je l'ai depuis hier soir et là encore ce matin. Putain, ça pénible, pénible, pénible. On va manger ? Ok. Salut. Bon, alors, après un café, un paracétamol, une douche, un shampoing, un autre café, me voilà. On va dire que la migraine est partie, mais bon, tu sais très bien qu'elle est jamais loin. Regardez, j'ai mis mon sweat, je viens de l'enlever de l'étendeur. Je sais même si on dit étendeur, étendoir. C'est pas bien grave. Ouais, donc de chez Shein, je l'aime tellement. Je crois que la prochaine fois, je vais en reprendre de ce genre-là, au moins un, pour que j'en ai un de rechange. Alors, je vous avais dit, enfin je vous avais dit non, hier, il y a eu retour de course au drive, et notamment on a pris, enfin, j'ai pris tout pour faire mon truc de rêve que j'ai toujours voulu goûter, faire, et jamais eu l'occasion. Les œufs bénédicts. Alors, je m'étais dit, au midi, enfin brunch, parce que le week-end, en général, les brunchs, c'est le week-end, midi. Mais vu mon état, je me suis dit non, je ne l'apprécierai pas. Donc, ce sera ce soir. Eric m'a dit, ouais, moi, ça m'arrange aussi, je préfère ce soir. Donc, parfait. J'espère que ce sera vraiment à la hauteur de mes espérances, comme on dit. Et je me suis... Vous l'entendez pas, il joue à des... en réseau, il s'agace tout seul. Oui, donc j'ai fait mes DIY, je me suis bien avancée. Parce qu'en fait, je fais pas à l'improviste, je fais avant des tests, je regarde quelle couleur, quel motif, qu'est-ce qui... pour qu'à la fin, ça me plaise complètement et que j'ai pas à retirer, enfin que ce soit parfait. Je pense que cette semaine, je m'avance peut-être, ça sera bon. Je pourrai réaliser la vidéo et vous présenter tout ça. Il est quand même 11h30. Et je vais aller manger parce que les médicaments avec mon estomac, c'est pas terrible. Voilà, bon, canon, hein, sinon, je me répète, mais oh, tellement, tellement confort. Je me suis maquillée, attendez. Pourquoi je vous dis ça? Ouais, parce que j'ai essayé de mettre un petit trait un petit peu prune. Mais ouais, non, ça rend pas. On voit pas bien. Voilà les amis, vous savez tout. Comment ça se fait que depuis tout à l'heure, je t'entends gueuler et tout? C'est la guerre, tout simplement. Ah ouais, mais faut se détendre, hein. Bonjour, monsieur Pilou. Ah bah non. Ah bah non. Tout est bon pour jouer. Tout. Non, 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 on arrête. Je te dis bonjour et... Non. Jackie, lâche ça, s'il te plaît. Je suis obligée de remonter, j'ai plus de batterie, ça clignote. Je vais la changer. Voilà. Et je branche la vide. D'ailleurs, j'ai fait 4 ventes hier de fringues. Ça reprend pas mal, hein, Vinted. Ah, c'est reparti. Ça, ce n'est pas gagné au drive. Hein. Les petits pains, les anglais, les muffins pour ce soir. Midi, ça va être ça. Putain, je me serais bien fait avec de la mâche et petits bouts comme ça, mais j'ai pas de mâche. C'est ça que j'ai oublié. Pourquoi j'ai pas pris de verdure? Je vais me faire ça avec. Très bien. Pendant que ça chauffe, on peut papote. Vous avez vu mes cheveux? Là, je viens de les laver. Et ben, je les trouve jolis. Là, j'aime bien, mais limite, faudrait que je les lave tous les 2 jours. Mais c'est pas possible. Ça les abîmerait. En fait, mes cheveux se dégradent au niveau de la... Ils se ternissent, ils deviennent pas beaux au bout de 2-3 jours, quoi. Mais je suis sûre qu'il y a des soins adaptés, des trucs qu'il faut que je fasse. Il faudra que je me penche sur le concept. Oh là là, tiens droit ta perche, s'il te plaît. Merci pour vos petits retours aussi concernant le casting. Mais je rappelle, c'est pas un rôle, hein. C'est pas de la figuration. Moi, apparemment, je suis prise pour silhouette, mais je ne m'y connais pas trop. Silhouette, c'est encore autre chose, une autre catégorie. Déjà, tu es mieux payé, et puis potentiellement, on te voit plus longtemps, et potentiellement, tu peux parler. Enfin, bon, bref, je crois que si tu fais plus de 5 mots, tu as un contrat d'acteur, de comédien. Mais bon, on verra. Je ne sais pas, peut-être que pas du tout, je vous dis. On attend. Petite assiette très minimaliste. Hein. J'aurais bien rajouté des tomates cerises que je n'ai pas, de la mâche. Et peut-être quelques petites échalotes, mais je n'ai pas tout ça. C'était trop bon. Et sans déconner, il est 11h47. J'ai mangé à 11h47. Allez, je monte. Et vous savez, j'ai envie de faire, vu que je vais pas faire de montage aujourd'hui, j'ai envie de faire un Reels. J'en ai fait 2 déjà sur Insta. J'aime bien. Maintenant que je... Alors, je maîtrise, mais pas du tout. Hein. Je vois des nanas qui font des trucs tellement ouf. J'ai les bases, ça suffit déjà, mais ouais, je vais peut-être me taper un petit Reels, on va voir, je vais un petit peu mieux, donc profitons de cette accalmie. Alors attendez, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de regarder par terre, il y en a partout quand je fais du DIY, hop, hop, c'est l'aventure. Je sais pas si je vais me mettre là,
Ah bah de toute façon, il me faut mon ring. Et déjà, ce qui serait bien, c'est de savoir quoi faire. J'ai envie de vous montrer, j'adore le petit DIY. Alors c'est tout simple, hein. C'est des choses qui ne nécessitent pas... C'est ça en fait, le but c'était que vous puissiez... Je vais souffler. Attends deux secondes. Le but c'était que vous puissiez reproduire ça facilement sans forcément avoir besoin d'acheter ça, des trucs qui coûtent un bras. J'espère que ça va le faire. Bon allez, je vois que vous insistez, je vous montre. Voilà. Sympa, hein. Je viens de terminer mon Reels. Ça prend du temps, ce truc. Ouh. C'est un peu chelou. Oui, je suis en train de me faire engueuler. Parce qu'il a décidé que c'était maintenant l'heure du goûter. Ce garçon dirige ma vie. C'est le moment où j'ai mon coup de barre, je m'en doutais. Quand j'ai la migraine comme ça, parce que j'ai pas dormi, je me suis levée à 6h ce matin, couchée tard, parce que bah, pas bien, t'es nausée avec ça. Et là, j'ai le coup de barre. Je pense qu'après, parce que je voulais, bah, je vais faire, je pense, déjà Vinted, les deux paquets pour que je puisse les envoyer. Bah, pas demain lundi, c'est fermé, mais mardi. Et peut-être, je vais commencer à mettre d'autres articles. Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est banane. Je mange pas trop parce que je me réserve pour ce soir. Bah, alors, ça va pas être un brunch avec plein de trucs. Je vais juste faire mes œufs. J'espère que ça suffira. Bénédicte. Et puis voilà, il y en a un qui dort juste à côté de moi. C'est une mignonnerie. Mais t'es trop mignon, toi. Alors. Ah bah non. C'est. Vous voyez la tête? J'ai froid au visage, je suis en chute de tension. Je le savais. Je vais essayer de taxer un petit massage. C'est pas gagné. Voilà. Bon, bah laisse tomber, hein. J'ai tenté une approche pour le massage, mais il s'est endormi devant un film. Donc, pendant les 2 ans, vous pouvez faire du laser, il y a des crèmes. Que faire pour resserrer les pores? Et bah, au final, je me suis posée, j'ai regardé un petit live très sympa. Et puis là, bah, je vais fermer tranquillement les volets. Le ciel est beau. C'est le retour du 17h30, quand est-ce qu'on mange? Ça me perturbe ce truc. Franchement, si avec moi, je mangerais maintenant, enfin genre à 18h. Je me vois pas aller voir Eric et lui dire à table. Quoique, et dans beaucoup de pays nordiques, en Suède, ils mangent tôt, hein. 18, 18h30, 19 grand max. Et même dans mon cas, moi, mon médecin, mon gastro-entérologue, m'a dit si vous pouvez, privilégier les repas plus tôt, de façon à espacer ce qui est logique, le moment où tu manges, le moment du coucher. J'ai une question, si jamais on mange pas trop tard, ça te gêne? Non. Mais quand je dis pas trop tard, c'est genre même 6h30, tout ça. Fais ce que tu veux. T'es un mec cool. J'ai mis la robe de chambre, j'allais pas cuisiner en Chine, hein, ça se fait pas. Attachage de cheveux. Obligé. Ah, mon portable pour suivre la recette. Ouais, c'est bien. Je vous montre l'image. Celle-ci. Par contre, pour la sauce, j'hallucine, quoi. Il faut 2 œufs, donc ça va. Le jus de citron, de l'eau. Mais le beurre, 125 grammes pour 2 personnes. 125 grammes. C'est-à-dire la moitié de la tablette, rien que pour la sauce. Alors, je vais casser bah, mon œuf délicatement. Je vais le faire un par un. Hop, comme ceci. Franchement, ça va trop vite, faut tout gérer, donc j'ai pas le temps de filmer. Là, je coupe le muffin, j'ai fait 4 pochés. J'ai raté le premier, là maintenant je maîtrise. Il y a le bacon, il y a la sauce que je suis en train... Enfin bref, c'est le rush. Ça, je vais mettre à chauffer au grille-pain. Alors ça, c'est mes œufs pochés. S'il y a des cuisiniers qui me regardent, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal. Hein. Et mon bacon grillé. Là, je suis en train de faire fondre lentement mon beurre. Mettre les jaunes d'œufs et mélanger. Alors jusqu'ici, on est pas mal. Là, j'ai fait l'assemblage avec les muffins, la poitrine fumée que j'ai pliée et le poché. Par contre, mon problème, c'est mon sabayon. Enfin, c'est ma sauce hollandaise. Parce qu'elle est pas top. Hein. Elle n'arrive pas à mousser. Encore en train de la travailler, mais bon. Pas terrible, hein, la sauce. Je suis dégoûtée. J'étudie ça de plus près. Bon, bah déçu, mais vu que la sauce, elle a pas pris, et je crois qu'il y a aussi le fait d'avoir vu, d'avoir cuisiné moi-même, d'avoir vu la quantité de beurre, ça m'a un peu écœurée. Pourtant, j'avais pas pris beaucoup de sauce. Comme quoi, parfois, hein, c'est pas nécessaire de réaliser ses rêves, ou je sais pas. Bon bref, c'est pas bien grave, là, je suis trop contente. Il y a la série 10%, la saison 4 qui est sortie. Elle est super, puis bon, comment elle s'appelle? Camille, comment elle s'appelle? Elle, c'est cool. Très 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 cool. Voilà, bon, bah, on se fait un gros bisou. Je vous retrouve bah, très très vite. Je fais au plus vite, je fais au mieux.
vous le savez. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Hein, vous savez pourquoi, vous avez compris. Allez, salut.